Gamin, Daryl Virotsko était surnommé The Flea, la puce, en raison de son aspect chétif. Depuis 10 ans, c'est l'un des champions du high surfing, le surf sur les plus hautes vagues du monde. Son QG, le parking surplombant la vague où il a appris à surfer, Steamer Lane. C'est le territoire de la bande du West Side de Santa Cruz, le noyau dur des surfeurs de la ville. Ici, c'est mon bureau. Et là, ma chambre, la voiture et le bureau. Ça, c'est le seul sponsor de Santa Cruz. Au milieu des années 50, la culture surf est le premier mouvement de jeunes à ne pas faire référence au monde du travail. Mise en image dans les beach movies et soutenue par une bande-son démente, la surf musique, la culture surf fait l'éloge de l'hédonisme, de la fête et du sexe. Importé d'Hawaï dans les années 30 à Santa Cruz, près de San Francisco, il apporte aussi un idéal, incarné par la première idole du surf, The Duke, ami de Charlie Chaplin et de John Wayne. C'est la recherche d'un absolu purificateur, la vague. Depuis 70 ans, Santa Cruz est la mecque du surf. Avec son musée du surf et ses 50 boutiques de surf, la ville compte 8000 surfeurs sur 55 000 habitants. Dans cette cité entièrement dédiée au fun et au sport de glisse, tout le monde peut surfer dans le sillage du Duke. J'ai grandi à deux rues d'ici. À cet endroit, la vague est longue, elle va du parking jusqu'à la plage plus bas. C'est du sectoram jusqu'à la vague. Je surfe ici tous les jours avec mes potes. J'ai grandi sur cette vague avec eux, c'est ma famille, mes frères, mes sœurs et mes parents. À se jeter à l'eau dès 7h du matin, Skin Dog, père de famille de 35 ans, laisse les vagues gérer son planning, un privilège que certaines marques de surf accordent à leurs représentants. Membre de la tribu des high surfers de Santa Cruz, il doit son surnom à ses amis du West Side. Quand j'étais jeune, j'étais très maigre. Mes potes m'ont appelé Skinny le Gringalet. Plus tard, j'ai habité dans la maison de mon meilleur ami. J'avais 17-18 ans et je squattais sa maison. J'arrêtais pas de manger, je dormais dans le canapé. Il me disait, tu vis comme un chien. Parfois, il me cognait parce que je mangeais ses céréales et je dormais dans son lit. Il a fini par m'appeler chien galeux et c'est devenu Skin Dog. Le gang du West Side de Santa Cruz est à l'origine d'une révolution dans le monde du surf. Trash, tête brûlée, ces dynamiteurs seront les premiers à pratiquer collectivement le high surf tout en cultivant leur image de bad boys. Ils disent « les surfeurs fument de l'herbe, squattent le parking et boivent des bières. Faut les arrêter et leur coller des prunes. » C'est le bordel parce que j'ai eu un gros week-end. Que des fêtes. À 33 ans, Flea, l'un des leaders du West Side, n'a jamais travaillé de sa vie. Malgré son asthme, il s'est payé sa maison grâce à ses exploits sur les vagues. Là, c'est Barney. Moi, je suis là, ici mon frère,
Non, là. On est tous dans le coin et on surfe toujours. Loin du modèle bodybuildé du surfeur californien, les Westside sont les nouveaux héros du surf moderne. These guys are the best big wave surfers in the world. It's the most challenging. We're the Delta Force of surfing. Most dangerous. This is the fastest I've ever been on a surfboard. Most extreme surfing in the world. Surfing is the easy part. Surviving is the hard part. Leur épopée fait aujourd'hui l'objet d'un film. Ce soir à Santa Cruz, tout le gratin du surf californien s'est donné rendez-vous pour l'avant-première de Billabong Odyssey. Durant 3 ans, tournée sur les 7 mers du monde, cette super production raconte l'explosion du high surf. À l'origine du projet, Bill Sharp, créateur de la première compétition du genre. On espère que ça marchera aussi bien que Matrix. Matrix, même avec tous ses effets spéciaux, n'est pas aussi effrayant que ça. Flea, Barney et Skin Dog ont affronté les 6 vagues les plus redoutables du monde, dont la plus formidable, Maverick, gronde à 45 minutes de Santa Cruz. Tout le monde peut aller dans ces vagues. Même toi, je peux te tracter dans une vague de 20 mètres. Mais qu'est-ce qui va t'arriver si tu tombes? Tu pourras survivre? En 75, à 17 ans, Jeff Clark est le premier homme à oser surfer Maverick. Pendant 15 ans, il restera le seul, allant jusqu'à fabriquer lui-même des planches adaptées à ce monstre qui se déplace à 80 km/h. Aujourd'hui, son surf shop, implanté face à Maverick, est un mythe dans le monde entier. Un jour, on regardait d'ici et on a vu Maverick se déferler. J'avais 14 ou 15 ans. On a marché jusqu'à la falaise et on s'est assis là, à la regarder toute la journée. On séchait les cours. Maverick a toujours été là, mais personne n'osait se jeter à l'eau. La première fois que je m'en suis rapproché, plusieurs vagues ont déferlé. Et c'était comme un tigre que tu entendrais rugir. Tu te sens si petit. Pour que le surf accomplisse sa révolution, il fallait un bond technologique. En tractant mécaniquement les surfeurs au-delà des plus grandes vagues, le jet ski donne naissance au tow-in, sport d'équipe dans lequel le pilote lance le surfeur et le récupère en cas de danger. Grâce à cette technique, le Hawaïen Laird Hamilton s'attaque dès 1994 à des vagues de plus de 10 mètres. Toujours pionnier, il crée aussi le kitesurf et le airboard, une incroyable planche qui permet de surfer sans vagues sur des centaines de mètres. Le tow-in est devenu un sport business. Son terrain de jeu est réduit, seulement 6 vagues dans le monde, de la France au Pérou, en passant par l'Afrique du Sud et Tahiti. Les prix offerts par les sponsors sont à la hauteur des enjeux.
$1000 pour 30 cm, soit jusqu'à $60,000 pour une seule vague vaincue. Loin de cette surenchère en dollars, le crew du West Side de Santa Cruz fait du towin un style de vie. Les golfeurs comme Tiger Woods font plein de pognon, mais ils se marrent pas autant que nous. La plupart des gens suivent des voies toutes tracées. Aller à l'école, puis au lycée, puis à l'université, et essayer de devenir docteur ou autre chose. Nous, on veut juste vivre une vie plus libre, une vie sans contrainte. On doit être à la disposition des vagues, parce qu'on ne sait jamais quand elles déferlent. C'est dur d'avoir un programme précis. On n'a pas d'emploi du temps. L'art sert à m'échapper. Le surf prend tant de place dans ma vie qu'il faut que j'ai d'autres centres d'intérêt. À 30 ans, Barney surfe gros. Habitué des vagues de 15 mètres, c'est le partenaire de Flea dans le towin. Commencer par peindre ses planches avant de jeter ses souvenirs sur des toiles. Une thérapie qui lui permet d'échapper momentanément à l'ogre du high surf. Le surf, c'est très dur. C'est pas toujours facile. Faut traquer la vague. Et quand tu la trouves, tu dois absolument la surfer juste. Let's go. Faut y aller. Ben alors, qu'est-ce que tu fous? Je vais encore attendre longtemps. Ouais, c'est bon, c'est fini. T'avais dit 10 minutes. Fuck, merde.